Bonjour à tous. Alors, comme la chaîne Sexologie vous avait beaucoup plu, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière. C'est-à-dire que on a déjà tous entendu parler d'un amour débridé ou d'une sexualité débridée. Définissons. Un amour débridé, c'est un amour pas naturel. C'est-à-dire, par exemple, épouser quelqu'un de riche parce qu'il n'est pas beau. Ou bien, dans le cadre de la spiritualité, tomber amoureux de quelqu'un suite à un envoûtement. C'est ce qu'on appelle les amours débridés. Et la sexualité débridée, qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est quelqu'un qui ne se voit pas vivre tous les jours de la même manière, en fait. Y compris les positions sexuelles, y compris la manière de triper sexuellement. Il faut qu'à chaque fois ce soit différent. Alors dans le jeu domination, soumission, dans le jeu sadomasochiste, la personne peut être à la fois sadique, à la fois maso. Il vaut mieux que ce soit un peu les deux, sinon on s'y retrouve plus. En gros, que les sentiments soient positifs ou négatifs, la personne prend du plaisir. Donc c'est ce qu'on appelle les sexualités débridées. Et les amours débridés, on a une déesse dont je vais taire le nom par respect, qui s'en occupe. C'est-à-dire que même si vous êtes un peu particulièrement dans le désarroi vis-à-vis d'une relation, cette déesse peut vous permettre de séduire la personne que vous aimez malgré tout. Voilà ce que c'est que l'amour débridé et la sexualité débridée par la même occasion.